L'investiture du nouveau maire de Kathiola, Camara Thomas, a servi de prétexte aux militants du Rassemblement des Républicains RDR de la région du Hambol pour battre le rappel des troupes à travers une véritable démonstration de force. Plusieurs personnalités du parti y ont effectué le déplacement, donnant ainsi un cachet spécial à la cérémonie de Kathiola. Entre autres cadres du RDR venus, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon-Coulibaly, Madame la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaro, et le secrétaire général de la Grande Chancellerie, le professeur Yacouba Konaté, représentant la Grande Chancelière, Henriette Dagry-Diabaté. L'objectif de ce rassemblement est d'exhorter les filles et fils de Kathiola à l'attente et à l'union pour le développement de la région du Hambol. Ma présence traduit le soutien de tous les militants de notre grand parti au maire de Kathiola. Et nous voulons lui demander d'être à l'image du président de la République qui, par sa volonté d'amener notre Côte d'Ivoire vers l'émergence, l'ensemble des fils et des filles de notre pays. Les valeurs que les Ivoiriens ont choisies en 2010, dont le chef de l'État est le grand porteur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tournant la page à la facilité, en tournant la page à la malhonnêteté, en tournant la page au mensonge, c'est parce que nous voyons dans notre jeune frère Camara Thomas, porté aujourd'hui par les populations de Kathiola, que ces valeurs sont les siennes. Face aux nombreux défis à relever, les populations de Kathiola placent un grand espoir en la visite prochaine du président de la République dans leur région.